Avant d'être éliminé de Top Chef M6, lors de l'épisode diffusé mercredi 7 mars 2018, Thibaut a dû faire équipe avec Victor pour une première épreuve sur le thème du riz. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le binôme n'a pas été à la hauteur des attentes des chefs. Trop ambitieux, Victor a d'abord souhaité réaliser 3 assiettes au total, dont une était à la charge de Thibaut, pour impressionner Michel Porto, célèbre chef doublement étoilé et meilleur ami de Philippe Etchebest. Seulement, le temps pressait et le candidat a raté une partie de sa recette. Finalement, le duo a changé de plan et n'a présenté qu'un seul plat, celui de Thibaut. « Je vois du riz brûlé et moi ça ne me plaît pas, ah alors lâchez Thibaut. On ne peut pas servir ça à un grand chef. » Finalement, à quelques minutes de la fin de l'épreuve, Victor a ajouté son riz brûlé à l'assiette de son camarade sans lui demander son avis. « Je me sens bafoué », a alors déclaré Thibaut face caméra. Victor, vraiment pas dans son assiette. Le geste de Victor n'est pas passé auprès du cuisinier, mais ce n'est pas tout. Les téléspectateurs ont été nombreux à ne pas apprécier son comportement. Sur Twitter, les internautes ont reproché à Victor d'avoir été insupportable. En story sur Instagram, le candidat s'est expliqué « Je viens de voir vite fait le replay et la fameuse épreuve du riz. Sachez qu'en aucun cas je n'ai cherché à nuire au binôme, mais simplement à pousser l'idée du plat. Je n'étais vraiment pas dans mon assiette ce jour-là et ça s'est vu. Merci pour votre